T'as de la pression aujourd'hui? Oui, un petit peu, mais ça va aller. Ça va bien se passer. Pourquoi t'as de la pression? Je sais pas. Tous les matins. Non, mais les cris d'appui, c'est pas la même chose. Ouais. Là, il y a le prof qui est là pour te regarder. Oui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les 9 élèves. Ils sont tous là. Donc là, on va profiter pour aller à la piste du bas. On va s'amuser à faire des bottes, les faire raccourcir, une gao de chasse. La piste est petite, donc on peut pas aller beaucoup plus vite. Voilà, chausser court, changer leur bâton de main, voir comment ils sont assidus à cheval. Bon, le but, ça, c'est de les voir à cheval comment ils se comportent, qu'ils sont avec les étriers assez courts, l'équilibre, comment ils changent de bâton de main, comment ils se comportent avec les chevaux, est-ce qu'ils sont capables de monter un petit peu fin, parce que quand on change la cravache de main, bah, les chevaux ils réagissent un petit peu, donc ils peuvent démarrer. On va voir comment ils sont capables de pouvoir gérer le stress du cheval. Tout doit être impeccable. Oui, le but, c'est on le brosse, en même temps, on regarde s'il n'y a pas des problèmes de peau, des petites blessures qui peuvent arriver pendant la nuit, ou durant un travail de la veille, où on n'aurait pas vu. Monkey là. Nidar Birsim. Vous avez tous monté à cheval tout seul. Vous êtes en masterclass, on va voir si vous êtes capable de monter à cheval tout seul. Julie, t'es capable? On va essayer là. Bah oui, ça, oui, je te confie, tu vas essayer. Hein. Tiens tes rênes. Hein. Très bien. Vas-y, marche, je vais la mettre à cheval comme les jockeys. Viens, vite, tu lui donnes. Allez. Sur les extérieurs. 3 par 3. C'est pas une course. Prenez vos distances. Hein. Ah, sur les premiers tours, écoutez bien ce que je vous dis, restez sur les extérieurs. C'est juste que les chevaux ils s'adaptent les uns aux autres. Restez bien sur les extérieurs. C'est toi, milieu. Vous gérez bien les coups. Attention pas aux coups de pied, mettez-vous bien bonne boîte. Hein. Vas-y, on prend votre. D'habitude, les chevaux. Allez, go. Allez, tranquille, hein. Attention, avancez, les filles, vous prenez vos distances, rassez les filles, ah oui. Ils tapent. Eh, on s'arrête prenez dans le tournant, soit. Non, non. Prenez vos distances. Le tournant au trop là-bas. Les filles, hein, tu sais. Je suis plus de reine avec lui. Bah, il aime pas qu'on lui prenne le virage. Non, t'inquiète. Le trop, hein. T'as ta reine droite plus courte que la gauche. C'est la distance entre vous. Laissez la distance. C'est un demi-cercle. Ouais. Manon, elle a pas du bâton du bon côté. Non, je vais. La cravache à droite. C'est compliqué pour toi aujourd'hui? Un peu, ouais. Pourquoi? Même s'ils sont à l'école, ils sont pas tous faciles, on va dire. Bah, c'était bien, on était tous ensemble. Le curé nous a regardé. On a essayé de faire. Et voilà. C'était un bon exercice, une bonne idée, mais après, c'est vrai qu'on est quand même content que ça se termine, hein, vu que c'était un peu fatigant. C'était agréable. C'était cool! Bon, la semaine dernière, on a été sur la piste du bas. On a fait des petits bottes. Cette semaine, on va aller sur la piste fibrée. On va voir de quoi vous êtes capable, parce que vous avez bien retenu la leçon. On va essayer de faire comme toi, alors. Essayez. Mais oui. Mais allez. Vous avez mis les brages, oui. Nicolas. On va pouvoir y aller, hein. Vous êtes tous là, Constantino, Julie, on y va. On trotte un peu ici. Ouais, on va pas traîner, ils sont sortis ce matin, ils ont cours à 4h. Ouais, on va pas traîner. Bon, je compte sur vous, hein. Bien botte-botte, hein, il y en a pas un qui partent. Et prenez vos distances, hein. Groupe par groupe, prenez bien vos distances. Vous rattrapez personne, d'accord. Tu sais que ça fait court, hein, quand même, hein. Ils partent du 300, donc on est au 800, ça fait 500 mètres. Ils s'arrêtent ici, on fait 1000 mètres, hein. Ça va, hein, c'est correct, hein. Non, c'est bien. Par contre, regarde, ils vont vite, hein. Attendez là, oh ! Doucement, doucement ! Ouais, j'ai vu que ce hall, il s'est retourné quand même plusieurs fois, à droite, à gauche, je sais pas si... C'est bien communiquer entre eux. Ouais, communiquer entre eux. Et j'aurais préféré qu'il regarde bien devant lui. Ouais. Sur son cheval, il aurait été bien posé. Constantino, on a vu le Gazza, elle était un petit peu allant. C'était pas facile. Ouais. Et Camille, elle était bien, elle était au top. Je sais pas ce que j'en pense.
mais je serai capable de les évaluer bientôt, je vais pouvoir les noter, leur transmettre mes pensées.